Bonjour les garçons. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très bien. Alors les garçons, on est où là? À Maxi Toys. On est chez Maxi Toys, notre magasin de jouets préféré, dans lequel nous avons déjà fait plusieurs vidéos. Et qu'est-ce qu'on fait à Maxi Toys aujourd'hui les garçons? Alors aujourd'hui, on va rester enfermé dans Maxi Toys. On va essayer de rester enfermé. Alors qu'est-ce qu'on a dit en fait? En fait, on a dit que au monsieur le patron de Maxi Toys, qu'on allait faire une vidéo pour lui faire de la pub. Mais en fait, ce qui ne sait pas, c'est qu'on va essayer de rester enfermé dans Maxi Toys. Et voilà. Donc là, en fait, on arrive un peu en fin de journée. Pour faire style, voilà, on reste un petit peu tout ça. Ouais. Sauf que après, on va faire semblant de partir, mais en fait, on va se cacher. Donc il va falloir trouver une cachette. Donc il va falloir trouver une cachette pour pas qu'on nous voit, pour rester enfermé. Oh, ça a l'air trop bien, ça, regarde. Ah bah alors, Tino, justement, allez nous présente. Qu'est-ce que tu nous présentes, Tino? Ça, parce que ça, c'est un... Comment il s'appelle déjà, lui? Buzz. Voilà. Qui vole, en fait, il a des... Donc ça, c'est toutes les nouveautés et Toy Story 4, en fait. Et moi, j'aimerais trop avoir ça, regardez. Attends, donc là, déjà, il y a toutes les nouveautés Toy Story 4, parce qu'en fait, le catalogue de Noël, il est sorti, ça y est. Donc là, il y a tout Toy Story. Et, attends, les arènes de Bakugan, mais... De Beyblade. Regardez celle-là, comment elle est belle. Ouais, carrément. Et là, à côté, il y a les Bakugan. M'a plu aussi. Alors moi, mon pack préféré, tu sais, ce serait quoi? Ce serait lui. Parce d'accord. Parce que il a tous mes packs préférés. Il a lui. D'accord, ok. Et là, il y a des énormes Bakugan, là. Non, ça, c'est une figurine. Ah, d'accord. Oh là là. Ah oui, d'accord, il y a en gros et en petit. D'accord. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui vous a plu, là? Ah bah, les high top, on les a déjà. Léni, qu'est-ce qui t'a plu, toi? Qu'est-ce que t'as flashé, là, en arrivant? Sur quoi t'as flashé? J'ai flashé sur le... Sur le Nerf Fortnite, ouais. Le méga blaster, regardez. Voilà. Donc Fortnite, ça se développe vraiment en dehors du jeu vidéo. Hein. Là, il y a les bus, le lance-roquette, enfin, il y a plein de choses qui se développent sur Fortnite. Ça, c'est trop bien. Le méga blaster, le lama. Alors, déjà, est-ce qu'on va déjà faire un petit tour dans la rayon pour voir où est-ce qu'on pourrait se cacher déjà? Allez, c'est parti. On va aller voir où est-ce qu'on pourrait se cacher. Alors, à mon avis, là, ils vont tout au fond, mais c'est pas tout au fond qu'on pourra se cacher. Hein. Il faut trouver des cachettes un peu quand même. Parce qu'en plus, s'il y a des employés qui vérifient les rayons, il faut pas qu'ils nous voient. Regarde-moi, je leur fais quoi? Donc, il faut vraiment trouver des... Ah bah là, on sera un peu grillés. Il faut vraiment trouver des cachettes intelligentes. Ouais, il faut trouver des cachettes vraiment bien, quoi. Faut voir... Venez, on va faire un tour par là. Attends, je vais vous dire un secret. Bah, en dessous, à mon avis, ça va se voir. Je vais vous dire un secret. Ouais. Quand ils vont plus être là, je vois ça. Et les motos, ils sont trop bien. T'essaieras tout ça quand le magasin il sera fermé? Bah oui. Faut que d'abord qu'on arrive à se cacher, parce que si on n'arrive pas, si on nous voit, bah on va nous mettre dehors en fait. Ouais, il y a plein de choses. Est-ce que je peux prendre la moto? Bah non, pas tout de suite. Ah bah non, là, faut pas qu'on se fasse repérer là. Donc en fait, on fera tout ça si on arrive à rester caché. Hein. En fait, je pense qu'il faut vraiment se cacher derrière des grosses boîtes comme là, par exemple. Regardez, là derrière une grosse boîte comme ça, tu vois. Là, si on se met là, par exemple, Cody, s'il se met là, je pense qu'il peut se cacher. Viens essayer, Cody. Si Cody, toi, tu te mets là derrière, je suis sûre que tu peux te cacher. Tu vois, personne ne te verra là. Là, tu t'avances un petit peu vers le fond. Et là, voilà, là, on ne te voit pas du tout. Ah bah là, ce serait une bonne cachette pour toi, Cody. Et là, ce serait terrible. Trop bien, viens. Débloque-moi, Pokémon. Vas-y, viens. Et là, ce serait une super cachette. Alors toi, je pense que t'as trouvé ta cachette pour ce soir. Et puis moi, je me mets où, attends? Bah toi, on va voir. C'est pareil, faut rester un peu dans le même coin. Moi, je suis plus costaud que Cody. Faut rester un peu dans le même coin. Faut pas qu'on nous voit. Tu vois, derrière les grosses cuisines, par exemple, ou des choses comme ça, quoi. Là, il y a des trucs. Là, faut se cacher par là, en fait, derrière les gros cartons. Comme ça, ça se voit pas du tout, quoi. Derrière, par exemple, ça. Attention, Léni, fais pas tomber. Vas-y, je peux.
Ouais, non, non, on va se cacher tout à l'heure. Là, faut pas trop qu'on se montre quand même, quoi. Là, faut pas qu'on voit que qu'on fait trop, sinon, trop de bêtises. Voilà. Là, on fait style, on se promène, tout ça. Voilà, là, on se promène. Cody, en même temps, il regarde ses jouets. Et puis voilà. Bon, bah, viens, on fait un petit tour, on fait style, on fait un petit tour, tout ça. Et on se cachera une fois qu'on sera sûr que ça ferme bientôt, quoi. Ouais, c'est bien la vie. Ils sont mignons, tous ces petits fauteuils là. Et regardez une Audi Cookie. Hop là. Ah ouais, trop bien. Ça, c'est pour les tout petits, hein. Oui, on va peut-être essayer. Pour les tout petits, ça. Alors, au moins, je voudrais. Bon, alors on continue notre tour et on se retrouve après, les copains. Ouais. Allez, on se retrouve pour se cacher. Bon, alors là, ça y est, on se retrouve. Donc, bon, bah, depuis tout à l'heure, on fait des petits tours dans le magasin, tout ça. Mmh. Et là, il est bientôt l'heure que le magasin ferme. Il est, bah, d'ailleurs, ça y est, il est 19h. Donc, du coup, on va aller à notre petite cachette. Il reste plus qu'une petite famille là dans le magasin. Donc, on va aller à notre cachette. Allez, venez, on va à notre cachette. Allez, c'est parti. Donc, déjà, moi, je me mets où? Alors, déjà, Cody, on va le mettre où on a dit là. Cody, tu vas aller dans ton coin là. Là, par contre, écoute-moi, Cody. Là, les gens, après, ils vont faire un petit tour dans le magasin pour voir s'il n'y a plus personne, rien. Donc, surtout, tu ne fais pas un bruit. Sinon, c'est clair qu'on va être démasqué. Ah mince, ils en ont remis un. C'était vite tout à l'heure. Ah bah, attends, Cody. Ouais, ouais, dans le coin là-bas, ouais, vas-y. Ah, mais non, il va peut-être se montrer là. On va peut-être le voir. Là. Attends. Voilà, du coup, ils ont rempli des rayons. Ah, ils sont malins. Il est malin. Alors, vas-y, Cody, par contre, il faut carrément que tu te baisses. Si tu te mets là, voilà, tu te baisses vraiment dans le petit coin là comme ça. Vas-y, baisse-toi. Non, mais s'il se baisse vraiment. Si t'es comme ça, quand on passe comme ça, on voit pas du tout. Alors, tu bouges pas, Cody, d'accord? Tu bouges pas. Hein. Surtout, tu restes bien là. Et comme ça, nous, on se met juste à côté, d'accord? Si tu fais du bruit, on va te voir et on va devoir partir du magasin. Je regarde, cachez-vous. Ouais, d'accord. Alors, ensuite. Alors là, toi, tu vas te mettre où? Là, s'il vous plaît, non. Alors là, vite, faut qu'on se dépêche parce que sinon. Tiens, là, derrière la cuisine. Vas-y, derrière la cuisine. Lenny aussi, parce que vous avez une place chacun. Vas-y, et moi, je vais me cacher pas loin non plus. Mais toi, tu vas où? Vas-y, t'inquiète, je vais trouver une cachette. Alors, vas-y, je remets ça là. Reculez-vous bien. Voilà. Et moi, où est-ce que je vais trouver une place? Est-ce que je vais trouver une place quelque part, moi? Moi, je vais me mettre. Je vais me mettre là dans le coin, là. C'est peut-être trop grillé. Je mets tout. Oh, le stress. Moi, je suis grande quand même. Je mets tout. Je suis en train d'enfermer les barrières, j'entends. Je mets avec toi, Cody. Je mets avec toi, d'accord? Je mets avec toi, moi. Vas-y, fais-moi une place. J'ai pas trouvé de place. Fais-moi une place. Je mets avec toi. Et surtout, fais pas de bruit. On se baisse. Vas-y, on se baisse. Vas-y, baisse-toi, Cody. Ouais, ça y est. Non, t'inquiète. Ouais. Non, faut pas faire bouger, justement. Faut pas faire bouger du tout. Là, on attend que ça ferme. J'ai entendu fermer les barrières. Je reviens. Assieds-y, vite. Non, faut pas qu'on se fasse voir, Cody. Assieds-toi. Regardez, là-bas, c'est bon, c'est allumé par là-bas. On peut aller un peu là-bas. Donc là, ça y est, le magasin, il est vraiment fermé. Allez, viens. Attends, on va prendre notre moto. Ah non, là, on peut pas par là, il fait trop nuit, venez. Oui, bah, on va aller par là, on prend notre moto. Ah ouais, d'accord. Waouh. Vous êtes où, les garçons? Eh, vous êtes où? Ça y est, on a réussi. Vous êtes où? Ah, je crois qu'ils prennent des motos. Venez, je suis là.
Ah, ils sont là. Ça y est, c'est fermé, le magasin, il est fermé. On est tout seul dans le magasin. Waouh. Voilà, là on est tout seul, c'est bon, il n'y a plus personne. Les grilles sont fermées. Il n'y a plus personne. Et les garçons, on a réussi. Je sais pas où ils sont en train de faire les fous dans le magasin du coup. C'est bon, ils sont trop contents. Je sais même pas où ils sont. Hé, Cody, viens voir. T'es content? On a réussi. On a réussi. Notre mission. Regarde, aussi il y avait cette moto là. Ah oui, il y avait une petite moto là. On a réussi notre mission. Est-ce que... Allez, viens, viens, Cody, on va par là. Bon bah du coup, les garçons là, c'est bon, ils profitent. J'ai fait une cascade. Je vais sortir ma lumière parce que par là on voit pas grand chose. Voilà. Bon, je sais pas où ils sont. C'est trop bien. Suis-moi, maman. D'accord, je te suis. Ah non, non, on va pas prendre tout non plus. Bon, allez, les garçons, est-ce que vous êtes contents? Au moins, on a réussi notre mission. Oui, allez, viens. Maman, suis-nous. Attends, 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 attention, attention, parce qu'il faut pas non plus faire trop de bruit. Imagine, il y a du monde qui passe derrière. Ouais, voilà, on se ferait un petit peu à voir quand même. Hein. Et vous revenez me voir après? Et les voilà. Bon alors c'est bien dans ces courses dans le magasin là. Oui mais attends maman. Ouais. On commence à avoir faim. On commence à avoir faim. Oui. Oui mais la sortie. Ah mais en fait on n'a pas prévu à manger. Oh. Ah. Il faut trouver une sortie parce que là je meurs de faim. D'accord. En plus, tellement que je suis tout chaud, je vais plus faire la moto. En fait, on est bête parce qu'on aurait dû prendre un McDo emporté avant quand on aurait caché, quoi. Oh, maman. Regarde, ouais. Je sais plus faire de bon, warrior. Ben ah. Là, il va falloir finir. Il va falloir partir, du coup. Il faut qu'on trouve une sortie. On peut y aller en moto, par contre. Alors, on range les motos et on va aller voir la sortie de secours. Ok, vas-y. Oui, parce que là, on va sortir du magasin, du coup. Ah ouais. Ah mais oui, en fait on n'a pas pensé à manger. On s'était dit cool, on va pouvoir dormir et tout, mais manger on n'a pas pensé à ça. Ouais. Bah alors je vous redonne vos manteaux. Je vais vous redonner vos manteaux. Bah après je cours. Ils sont là-bas. On se sépare. Non, on se sépare pas. Je sais où elle est la sortie de secours. On est déjà venu plein de fois le magasin, je sais où elle est. Donc vous me suivez. Et par contre, on ne se fait pas voir. Donc là j'éteins ma lumière. Suivez-moi. Tu me suis, Cody. Allez, venez. Alors, chut, pas de bruit, on sait jamais. Et là, on va aller à la sortie de secours. On va récupérer nos manteaux. Bon, vos manteaux, ils étaient là. Alors, hop, allez, c'est bon, vous avez remis vos manteaux? Ouais. Alors, c'est bon, maintenant, on avance. Il y a une sortie qui est juste au bout, là-bas. Ouais, donc, il faut pas feu, donc, il faut pas se montrer, surtout. Regardez, on a dû faire ça, là, Jody. Ouais. Mais, de toute façon, il n'y a pas de caméra. Enfin, je sais pas s'il y a des caméras, la nuit, mais je pense. Oh, il y avait trois manteaux ici, on les a pris les trois. Faites pas de bruit, on sait jamais. Jamais. Alors du coup, voilà, on essaye de ressortir du magasin. C'est une sortie de secours, donc logiquement ça ouvre. Attention, attention, ça va pas sonner. Ça va sonner ou pas? Vous êtes sûr? Sûr? On essaye. Est-ce qu'on peut aller manger? Oui. Ouais. Ça y est, on est sorti. Ah, le piège. Le piège, le piège, trop bien. Ça y est, on est sorti. Ça, c'est le piège. Ouais, c'est le piège. Alors, vous êtes contents?
Oui. Bon, du coup, voilà, on n'est pas sorti par la sortie de secours. Là, la vraie entrée, c'est là. Donc, bah, on voit bien que c'est fermé, hein. Les grilles sont fermées, tout. Donc, on est sorti par là. Par contre, vous avez eu faim vite, hein. Franchement, j'aurais pensé qu'on serait resté plus longtemps quand même, non? Bon, bah, du coup, c'est vrai qu'on n'avait pas. En fait, j'ai pas du tout pensé à manger. En plus, ce midi, j'avais pas trop faim. Ouais, mais là, c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à prendre à manger. En fait, pour moi, c'est bon, rester enfermé, tout. On a pensé à tout ça, mais pas aux détails de manger. Ouais. Bon, est-ce que ça vous a plu quand même cette vidéo? Ah oui, on est resté 10 minutes à jouer, mais c'était bien. Ouais, c'était trop bien. Cody, ça t'a plu de rester enfermé? Oui. Ouais. On essaiera dans un autre magasin. Non, peut-être pas, je sais pas. Celui-là, on le connaît bien quand même. On connaît bien les petits passages et tout dans tous les rayons, les petites cachettes. Mais après, ça va être compliqué. Bon, alors on va pouvoir dire au revoir aux copains. Surtout pensez au pouce bleu et surtout abonnez-vous. Gros bisous.